Alors, ce qui me plaît dans ce sport, c'est évidemment la passion qu'il y a autour de l'univers qui fait qu'on pratique une arme qui, à la base, est une arme fictive et qui est devenue aujourd'hui la quatrième arme de la Fédération française d'escrime. Et c'est juste génial de se dire qu'on est le premier pays du monde à avoir reconnu le combat au sabre laser comme un sport officiel. Mais en revanche, ce qui me tient très à cœur, c'est d'insister sur le fait que c'est un sport mixte et d'encourager plus de femmes à faire de la compétition et mettre en avant aussi des profils féminins qui font du combat. Alors nous sommes en train de travailler avec l'Europe, la Confédération européenne d'escrime, nous travaillons dessus, pour former les autres pays justement au sabre laser, pour en faire un championnat européen et après transformer ça pour aller sur la Fédération internationale afin que ça devienne un sport à part entière.